Bonjour à tous, je suis à Action du centre commercial Ivry-Grand-Ciel, c'est dans le Val-de-Marne. Donc je vais vous faire un petit direct juste avant, en attendant. Là, je vais aller faire un petit tour et j'ai pas oublié mes gants. Hier, vous m'aviez fait la réflexion du vernis, vous voyez, hein, toujours dans l'humour. Hein. Même dans ces temps-là, il faut garder un petit côté humoristique. Voilà, c'est parti. Alors là, il y a encore des gants, ils n'ont pas de vernis ceux-là. Mais alors vous avez ceux-là de 49 et vous avez les bleus. Alors attention, si vous êtes allergique au latex, ne vous trompez pas. Donc prenez ceux sans latex. Comme ceux-là, ils sont sans latex. Ou les bleus, ils sont en nitrile. Donc ceux-là sont à 2,49€ et les bleus. J'en mettrai après en nitrile, sont à 3,29€. Donc surtout si vous êtes allergique au latex, prenez un de ces deux-là. Bon, même avec tout ça, même s'il y a un peu d'humour, on va quand même essayer de trouver les nouveautés. On a cette étagère de rangement blanc, donc qui fait 80 cm de hauteur, donc sur 27 cm et 80 cm de hauteur, profondeur 27 cm et largeur 40 cm. Donc ça fait ça. Elle est à 9,95€. Pour la salle de bain, on a aussi celle-ci, mais c'est pas une nouveauté, donc c'est une étagère de coin. Donc pour salle de bain, à 11,95€. 78 cm et demi, 28,5 et 28,5 de profondeur, et donc du coup comme ça, 28,5 et 28,5. 11,95€. Celle-ci est en bambou. Hein. L'une d'entre vous cherchait aussi ces miroirs avec le contour doré et la petite chaînette. Voilà, elle est là. Donc, ils existent en noir et en doré. Alors, c'est pas une nouveauté. C'est 1,99€. Alors, ils nous ont sorti aussi le lot de 3 miroirs. Et en fait, quitte à prendre 3 miroirs comme ça, c'est la même chose. Ça vous reviendra même. Ouais, le même prix. Mais sauf que là, vous aurez 3 miroirs de la même taille. Et dans le dernier kit qu'ils ont sorti, c'est 3 miroirs de tailles différentes et ils sont aussi en rond. 1,99€. D'ailleurs, je les ai pris en rond, moi. Donc, ils existent en noir et en doré, pareil, avec la petite chaînette dorée. Hein. Allez, c'est bien. Par ces moments qui courent, une petite bougie zen, 1,85€. Donc, il y en a plusieurs. Hein. Il y a zen, mais c'est toujours dans le même état d'esprit, hein. C'est-à-dire zen attitude, confort, réconfort. 1,85€. Là au moins on a toutes les couleurs possibles. Ça fait deux jours que je vous les montre, ces boîtes à provisions, 2,59€. Donc il y a vraiment toutes les couleurs. Les quatre couleurs. Il y a cette taille aussi à 1,88€ et on a les plus petites. Moi j'en ai pris une pour mettre mes dosettes de café. 88 centimes. Et on a aussi celle-ci. Alors c'est vrai que vous m'avez dit celle-là, c'est vrai qu'elles étaient déjà dans les rayons l'année dernière. Et ça faisait un petit moment qu'elles étaient pas revenues. Et là, il revient. Et des fois, il y a des modèles comme ça qui vont revenir, mais avec d'autres couleurs. Pareil, un petit moment, vous voyez, j'avais pas vu ce petit service. Et il est assez apprécié. Et je fais tout tomber. Donc il est assez apprécié. Je pense que les plateaux sont tombés parce que ça fait un petit moment que je les ai pas présentés. Donc je vous les présenterai après. Donc il y a 6 tasses et c'est 6 tasses de coloris différents. C'est 3,59€, c'est plutôt des mugs, ils appellent plutôt ça des mugs, donc c'est des couleurs pastel. Et c'est ce que je vous dis aussi quand je vous présente la vaisselle. Maintenant, au niveau de la vaisselle, c'est comme les maillots de bain, on peut dépareiller. Donc on n'est pas obligé d'avoir 6 tasses de la même couleur, on peut jouer, mais il faut que ce soit dans les mêmes tons. C'est-à-dire que si vous prenez des tons pastels, bah, restez sur les tons pastels. Par exemple, n'y ajoutez pas des couleurs un peu plus prononcées ou un peu plus foncées justement. Et donc, on a ces plateaux. Donc ils sont à 3,79€. Donc ils existent en blanc avec le fond bois. Je les trouve très sympas parce qu'ils sont... Comment vous expliquer? Ils sont simples. Ils sont simples, mais... Enfin, comment vous expliquer ça? Ils sont simples, mais beaux. Parce que des fois, quand c'est simple, bah, il manque quelque chose et tout. Mais ceux-là, ils sont pas mal. En blanc et en bambou. C'est une autre nouveauté, mais plutôt un rayon saison. Je vois autre chose là-bas, ça va vous plaire après.
Échelle murale, donc il y en a plusieurs. Il y a une petite, une grande et une moyenne. Donc elles sont là. 3,99 la petite qui fait. Tiens, il n'y a pas la hauteur. 5,99 la grande. Donc une fois dépliée, ça donne ça. Vous voyez, c'est pour y mettre vos plantes. Donc c'est assez sympa. On peut mettre ça, bien sûr, à l'extérieur. On peut mettre ça aussi à l'intérieur. Pourquoi pas, si vous avez un intérieur fer forgé, métal, pourquoi pas. Voilà ce que j'ai vu du coin de l'œil. Et j'ai dit, oh, c'est décoration de jardin, une grande cage. Alors moi, quand je vois ça, je suis désolée, à chaque fois je pense au mariage, je ne sais pas pourquoi, mais dans les mariages, à chaque fois, en général, il y a toujours une petite volière, donc on peut s'en servir pour décor. J'ai déjà vu aussi s'en servir pour mettre, vous savez, les petites enveloppes. Donc après, trouver quelque chose pour mettre là, pour pas que les enveloppes puissent sortir, hein. Mais ça peut être très très sympa, franchement, voilà, j'appelle ça une volière, mais ou cage. Donc c'est une décoration, hein. Donc la petite est à 4,99 et la grande est à 6,99. Donc elle est là, la plus petite. Avec le petit oiseau là. Tiens, j'ai vu ça aussi, c'est des pots de fleurs en métal avec des petits animaux qui bougent. Là, c'est 1,49€. Vous avez le chat noir, le chat clair et vous avez le chien, 1,49€. Parce que je ne sais plus si je me répète ou pas, je suis désolée, mais j'ai pas vu qu'il y avait moins de monde dans le magasin. Il y a autant de monde que d'habitude, donc c'est bien. Parce que voilà, comme échanger avec une abonnée, il faut quand même continuer à vivre. Alors bien sûr, en prenant des précautions, mais voilà. Après, si on est à la maison, parce que hier j'ai fait une vidéo spéciale justement tout ce qui est loisirs pour enfants. Parce que comme les enfants vont être confinés pendant 2 semaines, il va falloir les occuper. Bien sûr, hein, pour reprendre ce que vous m'aviez dit, ils ne sont pas en vacances, hein, donc il faut les faire travailler. Donc je sais qu'il y a des écoles qui ont donné des devoirs, d'autres non, d'autres qui vont fonctionner avec le net, enfin vont envoyer des devoirs et tout sur les boîtes mail, etc. etc. Mais si ce n'est pas le cas, et je parle surtout pour les petits, il faut vraiment leur faire faire des activités, prendre une petite heure, et comme s'ils étaient encore à l'école. Il ne faut pas qu'ils perdent ce fil-là. Masque pour le visage, bulle. Alors ça peut être rigolo parce qu'en fait ça fait des petites bulles. Hein. Donc ça c'est un des nouveaux, mais il y en avait un déjà. Donc 99 centimes. Alors voilà, hein, pendant tous ces jours à venir, vous pouvez très bien voilà, vous faire des petits masques, prendre soin de vous. Alors, un petit coucou à Catherine, merci pour cet échange. Et bah, du coup, on va parler des masques, bon, je parlais des masques visage. Mais prenez aussi, du coup, c'est l'occasion aussi de prendre soin de vos pieds. Donc il n'y a pas le masque peeling, mais il y a ceux-là, et vraiment, bah voilà, même pour avoir échangé avec Catherine, ils sont vraiment très très bien, ils nourrissent très bien les pieds. Ils sont à 59 centimes, il y a coco et avocat. Moi j'ai testé les deux et bon, j'aime les deux. Voilà, 59 centimes, donc il faut les laisser un petit moment. Donc si vous avez encore un excédent de crème, hein, comme disait Catherine, vous mettez une chaussette, puis vous laissez la crème pénétrer dans vos pieds. Voilà. Un petit coucou aussi, je voulais le dire au début, mais à chaque fois j'oublie, j'essaierai de le redire dans le début de l'autre vidéo. Un petit coucou à toutes les personnes qui étaient hier sur mon live. Voilà, merci, merci, merci de votre soutien, merci de votre gentillesse, de vos échanges, de votre bienveillance. Voilà. On peut profiter aussi pour prendre soin de ses cheveux. Donc, alors il y a deux choses. Alors, au début c'est marrant parce que la première fois que j'ai vu ça, je me disais, mais c'est quoi l'huile de castor? En fait l'huile de castor c'est l'huile de ricin, donc c'est très très bien pour tout ce qui est cheveux, peau, etc. Et on a aussi l'huile d'amande. Alors ces deux produits là, donc celui-là est à 2,69, celui-là est à 2,79. Je suis en train de penser à un truc, je suis désolée, je vous le partage. Quand j'ai fait ça, je me suis dit, oh là là, dans 3-4 semaines, quand quelqu'un va tomber sur ma vidéo, il va se dire, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce gant-là? Bon, j'espère que ce sera le cas et qu'on en ira dans 2-3 semaines. Donc ça, c'est des produits qui sont très bien, ils sont 100% naturels. Un petit coup sur le code barre pour celles que ça intéresse. Donc voilà, c'est pour les cheveux, les ongles, les cils aussi. Ça permet de faire pousser les cils. Vraiment, c'est des très bonnes huiles. Donc voilà, donc profitez-en hein, si vous êtes chez vous pour vous chouchouter un petit peu. Tiens, un jouet testé et approuvé par mon fils. Je vous l'avais déjà montré, c'est un avion. C'est en mousse, c'est hyper léger et c'est rigolo parce que ça vole vraiment très bien. Ça coûte 1,99€ et il y a rouge et bleu. Donc pourquoi pas une idée encore une fois
pour occuper un petit peu les enfants. Alors c'est vrai que quand on a un appartement, c'est un peu compliqué, mais voilà, les enfants trouvent toujours comment jouer avec leurs jouets, que ce soit en intérieur ou en extérieur. En parlant d'extérieur, j'ai commencé à vous présenter au fur et à mesure des barbecues, mais ça aussi, hein, voilà, on peut en profiter pour faire des petits barbecues, donc, ou à prévoir pour l'été ou quand le beau temps arrive. Donc on va avoir plusieurs modèles de barbecue. On a celui-là, donc c'est un 57 cm en boule. Donc en fait il a un collecteur de cendres et il coûte 59,99€. Il fait 1,05 m de hauteur. Alors je pense aussi à nos amis et les animaux, hein, parce qu'on parle, c'est vrai, des courses et tout ça, mais n'oubliez pas, si vous avez envie d'avoir justement une petite semaine d'avance, Action, ils ont des aliments pour chats. Hein. Voilà, alors pareil, j'ai vu passer pas mal de choses et tout sur les réseaux sociaux, donc ce que moi j'ai retenu, c'est que la maladie ne se transmet pas d'animaux envers l'humain, c'est ce que j'ai retenu. Alors c'est vrai que moi, avant d'échanger des informations, je suis toujours très... je fais attention. Parce qu'il y a tellement de choses qui tournent mais qui n'ont pas lieu d'être. Voilà, moi la dernière chose que j'ai pu voir, c'est que c'est important de le dire, hein, voilà, que c'est pas transmissible de l'homme à l'animal. Voilà. 99 centimes, on en a à 62 centimes. On a aussi des Whiskas à 1,79€. On a aussi des aliments pour les oiseaux. On a aussi tout ce qui est pâté pour chiens. Voilà, 59 centimes le pâté, on a des biscuits, 85 centimes, on a ça, je sais pas ce que c'est, 1,99€. Pareil, dans le rayon animal, moi je trouve vraiment qu'il y a pas mal de choix. Donc faites-y un petit tour si vous ne trouvez rien en grande surface, ou même avant d'aller en grande surface, parce que c'est beaucoup moins cher ici. Allez, aujourd'hui j'ai envie de finir par des cacahuètes. C'est comme ça. Donc on a des cacahuètes salées, il en existe aussi des pas salées. Alors du coup je ne trouve pas le prix, mais c'est moins d'un euro, il me semble 1,39€. Voilà, on a aussi ce genre de cacahuètes, hein. Ça c'est très bon, ne tombez pas dedans, parce qu'après pour arrêter c'est très compliqué. Donc voilà, pensez aussi à vous prendre des petites choses, un chocolat, etc. Ça remonte bien le moral, le chocolat, et en plus il y a plein de magnésium dedans. Bah après, faut-il qu'il soit noir quand même, puisque tous les chocolats au lait, cacahuètes, voilà. Mais ça fait toujours du bien. Donc pas forcément là où on veut, mais voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres vidéos ou pas? Je ne sais pas, à voir. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je pense que je vous ferai des likes de temps en temps pour prendre un petit peu des nouvelles, etc. Puis sinon, bah, peut-être à plus tard. Gros bisous.